fais ma tarte au coco, il me faut du lait de coco, de crème fraîche, le sucre, une noix de coco, le sucre vanillé, deux œufs et le vanille liquide. Mm-hmm. Ok, je vais casser les œufs. Je renverse le sucre dans les œufs. Je mets le sucre vanillé. Je vais renverser le lait de coco. Voilà. Je vais renverser la pomme fraîche. Je vais tourner d'abord avant de renverser le noir de coco. Ensuite, je vais renverser le noir de coco. Je vais renverser le noix de coco. Je vais mettre juste un peu de vanille liquide. C'est pas obligé de mettre le vanille liquide. C'est moi qui est en train de mettre le vanille. Sinon, on peut mettre le sucre vanille seulement et puis ça suffit. Voilà, donc j'ai renversé pour bien mélanger avec. Parce que moi, j'aime bien son parfum. Maintenant, pour finir. Ça, c'est ma pâte feuilletée que j'ai fait. J'avais déjà fait, puis j'ai mis ça au frigo. Pour le prochain vidéo, je vais vous montrer comment on fait une pâte feuilletée. Donc, je vais renverser dans ma pâte feuilletée, puis je vais mettre ça au four. Bon, je renverse dans ma pâte. Dans ma pâte feuilletée, donc je vais mettre ça au four à toute allure, mes amis. Voilà, j'ai mis ma tarte au coco au four, donc à tout à l'heure. Ok, mes amis, mon gâteau au coco, mon tarte au coco est déjà prêt, mais je vais attendre un peu. Ça n'est pas se refroidir avant que je vais démouler le gâteau. Donc à tout à l'heure, il faut que ça soit refroidi d'abord avant de démouler les tartes au coco. Donc à tout à l'heure. Allô mes amis, ma tarte au coco est prête. Ok, j'ai enlevé, ça refroidit, j'ai démoulé. Voilà, donc j'ai grillé aussi le noix de coco pour décorer. Donc je vais tamiser dessus pour faire la décoration. Ok, mes amis, voici ma tarte au coco que j'ai réalisée. Donc, si vous avez aimé ma tarte au coco, vous pouvez réaliser aussi la même chose. Et si vous avez aimé aussi ma tarte au coco, abonnez-vous sur ma chaîne et partagez à tous vos amis. Abonnez-vous.